Salut à tous. Désolé, c'est des petits ralentissements pendant cette vidéo. Mais là, j'ai été informé que ma vidéo sur mes mésaventures avec l'Artix était remontée jusqu'au forum de l'Artix. Donc, je ne vous ferai aucun commentaire, mis à part mettez la vidéo en pause pour tranquillement lire les messages. Parce que ça vaut son pesant d'arachide. Voilà. Je vais juste mettre en un peu plus gros. On peut traduire je ne suis jamais allé à la fin de l'installateur. Donc Nadir se plaint que la distribution ne s'installe pas. Il dit d'abord, il a essayé dans sa machine réelle, la dernière ISO, ça a planté. Après VirtualBox, ça a planté. Il a dit que l'ISO E3 fonctionnait, ça n'était pas le cas, ça a planté. Il dit, This distribution is a joke, frankly, don't you just test the ISO before raising it? Really? In 2017? Cette distribution est une blague? Vraiment? Vous ne testez pas les ISO avant de les publier? Vraiment? En 2017? Et qu'est-ce que je disais dans ma précédente vidéo? Là, je n'entendrai pas ça parce que c'est quand même assez bas. Bien sûr, là, on a droit aux explications style ben, c'est Manjaro qui a tué, gnagnagna. On ne saura jamais qui de Manjaro ou de l'équipe de Manjaro PanRC a décidé de se tirer en premier. Tout ce qu'on sait, c'est que le projet a disparu. Personnellement, n'étant pas dans le secret des dieux, je n'en tirerai pas de conjecture. Donc là, il conseille d'activer Word et compagnie. Word. Mais simple question. Depuis quand il faut activer des dépôts de test pour installer une distribution avec des dépôts stables? Depuis quand? Simple question. Bon, Mendog a pas trop même en tort. Et là, il cite ma vidéo. Il dit, j'ai l'impression de faire un saut de 6 ans en arrière. Ouh, ça fait mal. Et il termine en disant, Manjaro OpenRC was good. Manjaro OpenRC était très bonne. Et ça, c'est vrai. C'était la meilleure distribution en dehors de la famille des Gentoo proposant OpenRC. Pourquoi est-elle partie Ad Patres? On ne saura jamais. Est-ce que c'est du côté de Philhelm? Est-ce que c'est du côté d'Artou? On ne saura jamais. Tout ce qu'on sait, c'est que le projet OpenRC, le Manjaro OpenRC, a été sacrifié pour proposer une merde, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour le moment, c'est une grosse merde, au 17 octobre, Clartix. Et là, je crois qu'on atteint le... Choum! Décapitation! Votre installateur ne fonctionne pas et s'est montré dans un autre fil de ce forum. Les gars, vous continuez de le dénier et suggérer que l'utilisateur le fixe, enfin le corrige, en ajustant des fichiers de configuration. Donc en gros, ne pas faire le boulot. Proposer une ISO pourrie, pas bien grave, mais on propose des moyens de contourner. Ce ne sera pas plus simple d'enlever les images ISO de proposer des ISO corrigées. Pouvez-vous juste s'expliquer quel est le problème? Pourquoi ne corrigez-vous pas l'installateur? Vous faites chier les personnes avec votre attitude. Des personnes comme Nadir et moi, et je suis sûr beaucoup d'autres, qui veulent donner une chance à l'Artix et qui se retrouvent à l'utiliser comme tentative de comment je n'existe plus. Et arrêtez de vous comporter comme des enfants et utiliser l'excuse ignoble du c'est pas pour les débutants, c'est pas pour les newbies, c'est pas pour les débutants, c'est pas pour les débutants. Voyez, je vous mettrai le lien du forum du topic dans la description. Ça commence à, comme on dit, chier des pointes. Je sais pas, c'est chier des pointes, enfin bref. Ça commence à faire très mal du côté de l'Artix. Avoir proposé une ISO comme à la va comme je te pousse sans vérifier qu'elle s'est installée, est-ce que c'est admissible en 2017? Je vous laisse le juge. Vous avez tous les éléments. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao!